Mesdames et Messieurs, le programme nucléaire des Mollahs est un défi important pour la paix et la sécurité. Par conséquent, au nom de la résistance du peuple iranien, je déclare que, premièrement, les Mollahs considèrent la bombe atomique comme une garantie de leur survie et un moyen pour dominer la région. La fatwa de Khamenei sur L'interdiction de l'arme nucléaire par l'Islam est une tromperie. D'où le projet nucléaire est contre les intérêts nationaux et le peuple iranien est profondément opposé à ce programme. Euh, contrairement à ce régime, nous voulons un Iran démocratique et non nucléaire. 3. la bombe atomique, les violations des droits de l'homme, L'exportation de terrorisme et l'intégrisme sont les quatre piliers de la théocratie en Iran. Le respect des droits de l'homme en Iran et l'éviction des mollahs de l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Afghanistan sont de vrais critères démontrant que le régime a bien renoncé à la bombe. Toute autre chose, sous n'importe quel prétexte, est seulement un et revient à accepter la catastrophe des dotée dotés de la bombe. 4. Prolonger de 6 ou 9 mois la date votoire pour un régime qui a trompé et dissimulé pendant 30 ans n'est pas une solution. La seule garantie, c'est l'application complète des six résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et l'arrêt complète de l'enrichissement. 5. Il faut des inspections inopinées de tous les sites militaires et civils. 6. Le régime doit répondre aux questions sur les dimensions militaires de ses projets atomiques les experts nucléaires et les réseaux clandestins qui fournissent les équipements de son programme. C'est l'hypothèse qu'il est possible de rétablir les sanctions contre le régime en cas de violation de ses engagements n'est ni pratique, ni réelle, ni logique. Il ne faut pas lever les sanctions. Tant que les Mollahs n'auront pas euh, définitivement renoncé au nucléaire. Huit, 36 ans euh, d'expérience en Iran montrent que les Mollahs euh, comprennent seulement le langage de la fermeté et de la force. Le temps est venu pour euh, les grandes puissances euh, d'arrêter la politique de complaisance et de concession avec ce régime tyrannique qui est le banquier central du terrorisme et le champion du monde des exécutions par tête d'habitants il faut reconnaître le droit du peuple iranien à la résistance et à la liberté